Jésus est ton nom. Mon Dieu, au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur, Jésus est ton nom. En ce jour, en ce mardi, merci parce que tu es présent. Nous sommes plus de deux ou de trois personnes assemblées ici physiquement et partout dans le monde, Saint-Esprit, pour élever Jésus aujourd'hui, pour glorifier Jésus, pour magnifier Jésus. Renda brada glorianda baba sheta rada bro. Rai de sota raba base. Shibaka yanda raba baba sota raba baba ye. Luka baba yanda raba bro saeta shete de made. Soba yanda raba bos. Yeta raba kolo mama mama she. Raire glorianda brada soro bara la glorianda brada so raire glorianda brada glorianda baba bache laire sonda la mama la braire glorianda ba nous élevons ton nom, te glorifions, te magnifions, nos voix montent vers toi, Jésus, Jésus, Jésus. Ton œuvre à la croix, à cause de ton sang qui a coulé, à cause de ce que tu as offert ta vie pour moi, pour nous, à cause de ce que tu t'es humilié, à cause de ce que tu es descendu sur la terre, à cause de nous, tu es allé dans les entrailles de la terre. C'est pourquoi ton Dieu, ton Père, notre Père, t'a élevé au-dessus de tout, de sorte que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les yeux, sur la terre, devant Jésus, tous genoux devant Jésus, devant Jésus, devant Jésus, oh, tous genoux fléchissent, toute langue confesse devant Jésus, tous genoux fléchissent. Les cœurs se prosternent. Quel merveilleux nom. Tu as reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Mon Dieu, toi Jésus-Christ. De sorte que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Devant Jésus, les anges se prosternent. Devant Jésus, la nature se prosterne. Devant Jésus, devant toi tout se prosterne. Devant Jésus, devant toi Jésus. Devant Jésus, devant toi mon roi. Devant Jésus, devant toi Seigneur. Devant Jésus, devant toi Jésus. Devant Jésus, je dis, prosterné devant toi, nous contemplons ta face, mon Dieu. Laïdeke, osataramate, akarianda blos, aïde oui relevaite, rabakayama mama 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 mache, laïde glorianda bradas, glorianda baba chendere de bro, laïde kendere babraïda soromara la ka. Au-dessus de toute chose, tu règnes.
Praide sere mara la gloria na babashete. Kababa mama masonda raba bradas gloria na bra. Praides gloria na bradas sende le bobo. Disant au-dessus de tout. Jésus est ton nom, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom, disons-le lui au-dessus, au-dessus de tout. Éternel Jésus, disons-le, et Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout, tu es. Brahimo Saïta Reba Bejo. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Oh, Jésus est ton nom. Mon Dieu, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est. Confessons-le, annonçons-le, que déclarons-le, professons-le, élevons-le, magnifions-le, élevons-le, nous t'élevons, te glorifions, t'élevons, Aïta Rababé, Sotarababros, Karamara la Soromara la Kente de Bé, Raïde Sotarababababa, Seigneur Dieu qui règne, nous voulons acclamer ton nom, ta grandeur, ta puissance, ô Dieu. Raïde se kabayo, aïdo lo kamama mache, sabraïde gloria tabos, irika tere mamaso, shabara karamada madaha. Tu ressembles, alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
seulement tout puissant, il a la toute puissance. Jésus, ce monde a des puissants. Le Père a donné du pouvoir et de la puissance à des autres choses. Mais à toi, Jésus, tout pouvoir, te redonné, Tu as dit tout pouvoir, le pouvoir sur toutes ses formes. Sur la terre. Alors, quand tu dis dans le ciel, Jésus, tu dis dans tout l'univers. Ah, quelles que soient les étoiles que nous voyons éloignées, les galaxies, même là-bas, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Les étoiles ont une puissance. Le soleil a une puissance. Chaque jour, nous bénéficions du pouvoir, de l'énergie qui vient du soleil. Même Jésus déclare que ce type de pouvoir est à lui aussi. Ah. En fait, ça lui appartient. Jésus, tu as tout pouvoir. Shobaramate, Okayamatate, Olabayamabe, Ayantalaishadahe, Oka Omade, Sao, Etamdalaho, Weba Adamados, Rekayatafae, Osokamayamate, Shablo Ale, Rokamadone Tale, Raido Gloria. Ashoto mama makoya, ashoto mama makoya, arai de gloria da brada soro bara. Tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir, mon Dieu. T'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Ah. Seigneur Jésus, oh là là. En toute chose, nous voyons du pouvoir. Il y a différents types de pouvoir. Il y a le pouvoir ou la puissance et l'énergie qui fait avancer nos véhicules. Mais Jésus dit même, il a le contrôle sur ce type de pouvoir. Jésus a tous les pouvoirs, tout. Quel que soit le type de pouvoir que nous donnons, il a tout pouvoir. Il a toute la puissance. Tu as toute la puissance. Tu as tout le pouvoir dont nous avons besoin pour être libres, pour être affranchis, dont nous avons besoin pour grandir, pour croître, pour voir, nous avons besoin pour marcher. Alléluia. Alléluia.
Nous t'acclamons, toi qui as tout pouvoir. Alléluia. Res my share bakata rabababolos my de. Oh. On prie Jésus. On n'a pas la révélation de Jésus quand simplement on lui pose des questions. On a la révélation de Jésus lorsqu'on l'élève. Lorsqu'on l'élève. Et ce matin, nous sommes là pour élever Jésus afin d'avoir la révélation. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez pas simplement qui je suis, ce que je suis. C'est une dimension supérieure. Non seulement vous serez qui je suis, mais vous serez ce que je détiens. Vous comprendrez ma puissance. Il dit, vous serez ce que. Pas vous, il ne dit pas, vous serez qui je suis. Il dit, non, non. Vous serez ce que. Je suis quelque chose. Je suis quelqu'un. Je suis une puissance. Je suis Dieu. Amen. Amen. À moins d'avoir élevé Jésus, tu vas toujours le considérer comme un humain. À moins d'avoir élevé Jésus, il existe un degré de puissance qui est en lui dont tu ne seras pas conscient. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il conduit celui qui m'a envoyé avec moi. Et puis plus tard, on arrive au verset 30 où il dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors pourquoi ce matin nous allons élever Jésus? Élever. Pourquoi ce matin, pourquoi nous allons l'élever? Simplement pour cela. Devant la forteresse de Jéricho, qui est le modèle des forteresses dans la parole de Dieu. Devant ce mur imprenable, Dieu n'a pas donné des stratégies de comment casser le mur. Il n'a pas fait fabriquer des armes pour casser le mur. Car notre Dieu savait que certaines forteresses sont irrenversables par les moyens humains. Certains systèmes de pensée, ma soeur, mon frère, ne datent même pas de toi, datent de tes aïeuls. Et ce système de pensée ont fini par s'infiltrer dans ton sang. Certains systèmes de pensée qui te maintiennent dans la pauvreté, le célibat, la colère, la dépression sont enfouis dans ton sang. Mais devant la forteresse, le raisonnement de Jéricho, voilà ce que Dieu a dit. Vous allez faire le tour et vous allez célébrer Dieu. Ça veut dire quoi? Vous allez élever Dieu. Plus une forteresse est imprenable, plus une forteresse est élevée, plus il faut élever Jésus. Plus il faut le mettre au-dessus. Il y a un moment donné, on chasse les démons. Mais il y a un moment donné où on dit, ah, il y a une dimension du pouvoir de Christ dont j'ai besoin. Je veux élever Jésus au-dessus. Alléluia. Derek, aide-moi à dire élever Jésus. Allons-y avec élever Jésus. Ensemble, nous pouvons élever Jésus-Christ. Christ est élevé. Christ est élevé. 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 Oh, élevé. Élevé. Au-dessus de tout. Christ est Christ est élevé.
nous élevons Jésus. Les murailles s'écroulent, les forteresses sont brisées, les chaînes sont brisées. Acclamez. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus? Acclamons Jésus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Reda baba sota raba bres my gente de bro. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Tu es élevé. Tu es élevé. Pendant que nous élevons notre Seigneur, nous voyons combien il est roi, combien tu règnes. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Vous savez, frères et sœurs, il faut faire souvent attention aux expressions que Jésus utilise parlant de lui. Parlant de lui. Certaines fois, il utilise l'expression le Fils de l'homme. D'autres fois, le Fils de Dieu. Ces mots, ces expressions traduisent un aspect assez particulier de la personne du Christ. En disant le Fils de l'homme, Jésus présente son côté humain. Son côté humain. Alors lorsqu'il te dit, lorsque tu vas élever le Fils de l'homme, tu connaîtras ce qu'il est. Alléluia. L'accès que nous avons au Christ est celle que nous voyons dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire un homme qui dormait, qui mangeait, qui avait besoin de se reposer, qui avait des besoins, qui était aussi tenté. Donc, quand Jésus se présente sous le terme de Fils de l'homme, nous le voyons sous cet angle. Il dit donc, à partir de cet angle, il faut que tu arrives à me mettre au-dessus de tout, à m'élever au-dessus de tout. Et à sentir que je règne, que tout pouvoir m'a été donné. Parce que tu peux te limiter, sans t'en rendre compte, à Jésus, simplement le fils de Marie, dans la crèche. Nous sommes en train de nous approcher de la Noël. Si tu vois un enfant, si tu le lèves comme un enfant, tu chantes. Hein? Il est beau le divin. T'entends? Je n'aime pas bien chanter le chant là. Et que tu restes, tu te limites là, tu n'auras pas élevé le Fils de l'homme. Tu as limité le Fils de l'homme. Tu l'as considéré simplement comme un humain béni, un humain utilisé. Et c'est en ce moment là que tu es capable de comparer Jésus à des saints, à des prophètes. C'est en ce moment parce que tu le vois comme un enfant, tu es capable de lui dire bon pour l'atteindre. Je vais toucher quelqu'un, je vais aller voir sa maman d'abord, parce que c'est un enfant. Donc quand quelqu'un est un enfant, si on veut le toucher, il faut demander la permission à sa maman. Tu vois, tu peux prendre ce sax-là et tu ne l'auras pas élevé.
parce que tu l'as considéré sous son joug humain. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles lorsqu'il arrivait dans son propre village, parce qu'il ne voyait en lui que le fils de charpentier, parce qu'il ne voyait en lui que le fils de Joseph et de Marie, parce qu'il connaissait ses frères. Et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Ces gens-là n'ont pas élevé le fils de l'homme. Ils l'ont laissé au niveau humain. Et il y en a d'autres encore qui plus tard ne vont pas rester à Jésus enfant. Vont peut-être le voir adulte, le Dieu de miracles, celui qui fait des miracles, qui marche sur les eaux. Mais ils vont se croire un peu ses concurrents. Ça va faire en fait des personnes qui vont se dire, bon, Jésus a été utilisé, moi aussi je suis utilisé. Et qui vont essayer de s'accaparer quelques gloires de Christ. La gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est due. Ça va donner des gens qui aiment citer leur propre nom, qui aiment s'élever, qui aiment, parce que Jésus c'est le fils de l'homme qui a été utilisé, qui aiment se donner la gloire, se taper la poitrine, citer leur nom, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel prophète. Dis à quelqu'un, moi, le Dieu de mon... Ce n'est qu'un homme. Et même si Jésus a marché comme les hommes, si tu le limites à ce niveau, tu ne le connaîtras pas. Si tu vois simplement ce Jésus-là, tu ne l'auras pas encore élevé et tu ne sauras pas qui, ce qu'il est. Lorsque tu le vois au-dessus de tout, lorsque tu imagines que tout pouvoir, tout pouvoir, Jésus dit tout pouvoir, toute forme de pouvoir lui a été donnée. Le soleil a un pouvoir. Le carburant dans ta voiture a un pouvoir, celui de faire avancer ta voiture. La lumière dans ta chambre a un pouvoir, celui d'éclairer ta chambre. Chaque chose a un pouvoir. La nourriture que tu manges a un pouvoir, celui de te faire avancer, grandir, croire, puissance pour le faire. Quel que soit le type de pouvoir que tu trouveras, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, quelle que soit la forteresse, quel que soit l'obstacle qui dit, tu ne grandiras pas, tu ne te marieras pas, le raisonnement, le système de pensée qui paralyse quoi que ce soit dans ta vie, lorsque tu vas élever Jésus, que tu ne verras plus simplement le fils de Marie, le fils d'un homme, l'homme qui a marché, mais quand tu auras élevé le fils de l'homme au-dessus de sa nature humaine, dans sa forme divine, dans la forme de celui qui est mort et qui est ressuscité, de celui qui a vaincu le tombeau, de celui qui s'est assis à la droite de Dieu, alors tu auras la révélation, tu auras la connaissance, nous aurons la connaissance. Aujourd'hui, je veux la connaissance. Et tu vas avoir une connaissance qui va faire tomber le joug, qui va faire tomber le joug de ta vie, qui va faire tomber les forteresses. Ce soir, nous venons t'élever, Jésus, afin de te connaître. Car nous reconnaissons que l'image que nous avons de toi, Seigneur Dieu, est seulement peut-être la faible image que nous avons de toi, la faible révélation que nous avons de toi, est sûrement ce qui nous bloque, est sûrement, Seigneur Dieu, ce qui nous empêche de triompher de certains obstacles, de certains démons, de certaines forteresses. Mais ce soir, ce matin, ce jour, peu importe l'endroit, l'heure où nous sommes connectés, donne-nous de te voir. Père, je prie afin que les yeux de tes serviteurs et de tes servantes, mes yeux soient ouverts. Esprit de Dieu, viens ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos yeux. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons le voir comme il est. Nous voulons savoir ce qu'il est. Saint-Esprit, toi qui connais les profondeurs du Père, toi qui connais les profondeurs de Dieu, nous voilà limités. Plusieurs sont enchaînés par des chaînes de maladie, par des forteresses de maladie. Nous tombons malades comme le reste des humains. Certains parmi nous et qui me suivent ont dans leur corps des cancers, des esprits d'hérédité, de célibat, de pauvreté, de misère, toutes sortes d'obstacles. Mais Seigneur Jésus, tu dis que nous avons le pouvoir de renverser toute forteresse par la connaissance de la vérité et de ce que tu es. C'est pourquoi encore je veux dire, Seigneur Dieu, que tu règnes au-dessus de tout. Une dernière fois, disons, tu règnes au-dessus de tout, tu règnes. Mais cette fois, nous voulons dire, je vois le roi sur son trône. Disons-le doucement.
on va reprendre. Pendant que tu es là en communion avec moi, le Saint-Esprit vient de faire tomber les écailles de tes yeux. Ne chante plus simplement, mais voyons-le du fond de notre cœur. Il est sur un trône très élevé. Le trône, ça veut dire qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur la... Il est élevé. Et je vois Jésus élevé au-dessus de tout. Et je le vois tout pouvoir. Et qui regarde la terre, qui regarde vers toi. Qui regarde sa fille que tu es. Qui regarde son fils que tu es. Qui regarde et qui est là et qui regarde. Et qui a tout pouvoir. Et je vois le roi sur son trône. Je vois le roi régner. Disons-le encore. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi prier de son état. Je le vois. Je vois le roi. C'est toi le souverain. Seigneur Jésus, moi je vois ton règne et j'ai la certitude que rien ne peut t'arrêter, aucune puissance, aucun pouvoir. Et je vois ton royaume qui exulte de joie. Il y a tellement de joie. Seigneur mon Dieu, je vois que tu vois que tu règnes. Arrêter, aucune forteresse, aucun démon, aucun esprit impur. Rien, mon Dieu, rien ne peut t'arrêter. Je vois le roi régner. C'est pourquoi disons au-dessus de tout.
passer. Voilà ce qui va se passer. Pendant que la mélodie est sur au-dessus de tout tu règnes. Pendant que mes yeux étaient fermés, je voyais comme des vagues de puissance qui passaient à travers l'internet, les ondes partout, et qui rentraient dans des maisons, brisant les chaînes, brisant les forteresses, libérant les captifs, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Je vois le règne de Dieu se déployer à travers les ondes, à travers les médias, à travers l'internet. Et arriver et briser les chaînes. Maintenant, 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 maintenant. Chevoro, Reba Babaye, Reba B, Reba Mama B, Reba B. Rémabé, rémababé, rémabé, rémabababé, 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 Oramabe, Tamayamabe, Sukamayabal, Sotarabe, Sutamaye, Sutarabate, Sukamabe, Sababade, Sataramaba, c'est toi qui règne, 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 c'est toi qui règne. C'est toi qui règne, c'est toi qui règne, Amen. C'est toi qui règne, c'est toi qui règne, c'est toi qui règne, c'est toi qui règne, Amen. C'est toi qui règne, c'est toi qui règne. On y va, c'est toi qui règne, c'est toi qui règne, Amen. C'est toi qui règne, c'est toi qui règne. La gloire de Dieu est manifestée. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Le règne de Dieu est manifesté. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Ta puissance est manifestée. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Ce n'est pas la maladie qui règne. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Les sorciers peuvent pas régner. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Le démon peut pas régner. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Les ténèbres peuvent pas. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Les ténèbres peuvent pas régner. C'est toi qui règne. 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 Les ténèbres peuvent pas régner. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Maladie peut pas régner. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Tout esprit impur. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Je me dresse contre vous dans le nom de Jésus. C'est toi qui règne. Lien appelé d'hérédité. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Forteresse satanique. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Mémoire démoniaque. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne.